Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Arrivé en Ituri d'un deuxième contingent des commandos RD congolais, cette présence traduit la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pacifier tout l'est de la RDC. Une parade mixte FARDC-PNC a été organisée à Bunia, en Ituri. Notre envoyé spécial, Oscar Mbalkaïch. C'est des colonnes de véhicules Kamaz tout-terrain bourrés de commandos qui sont entrés à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, sous les regards du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin et les ovations de la population. Nous sommes vraiment tellement contents et tu vois qu'il y a vraiment mon conseil en boca bafololo na OE à Sali où l'on a mis son acte d'insécurité et puis. Azali Moto a prometté qu'il biso quelque chose qui a boyé à l'ambo calabiso et puis a réalisé en haut. En tout cas, merci beaucoup, félicitations à chef de l'État, na idée oye azui. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République est déterminé à en finir avec cette insécurité entretenue par les groupes armés. J'ai décidé d'ordonner l'état de siège dans la province d'Ituri et dans celle du Nord Kivu. Tout simplement pour montrer à ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, du désordre et du chaos, qu'il y a un État, et un État qui est beaucoup plus puissant qu'eux, et qui, à la longue, aura raison de. Aussitôt arrivé, une parade mixte a été organisée sous la conduite du commandant en 2e région militaire, le général de brigade Bitangalo Clément, au nom du gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama, afin de moraliser les hommes des troupes. Messieurs, on vous disait que nous sommes plus forts que eux, nous sommes plus nombreux que eux. Le chef de l'État, le garant de la nation, les défenseurs des intérêts vitaux de sa population avaient dit que les nouvelles unités de forces armées seront déployées en Ituri pour mettre fin à toute forme d'insécurité et neutraliser tous les groupes armés. Le signal est donc lancé. Les plus sages n'ont qu'à se rendre aux forces loyalistes et déposer les armes, au risque de subir la puissance des feux des FARDC. Bonne nouvelle pour les sinistrés de Goma. Plus de 1500 maisons ont été construites en faveur des sinistrés. Le chef de l'État a ainsi honoré sa promesse. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a utilisé les génies militaires pour exécuter les travaux de construction. Une fois de plus, Oscar Mbalkaïj. Kibouri, chefferie de Bukumu, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, où le site de 8 hectares est réaménagé. Les travaux de construction des abris provisoires pouvant abriter les sinistrés du volcan Nyiragongo évoluent en vitesse de croisière. Ce premier site, qui recevra plus de 1500 ménages, est érigé sur le financement propre du gouvernement congolais, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le conseil spécial du président de la République, en charge de la couverture de maladies universelles et coordonnateur de la task force présidentielle, qui est à la tête d'une délégation mixte et technique. Il ne ferme pas l'œil pour faire le suivi de la mise en application des mesures du chef de l'État, mesures relatives à la prise en charge de sinistrés de l'éruption volcanique. Docteur Kamba a reçu les explications claires de la génie militaire, des policiers et militaires en chantier, s'est transformé en menuisier et charpentier. Une première à l'est du pays dans les interventions lors de guerres et catastrophes, comme l'a confirmé ici Bienvenue Touichi, qui est le chef intérimaire de la chefferie de Bukumu. Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction parce que c'est la première fois de voir un cadre de sinistré être construit par des tôles, parce que ça n'est jamais fait. Parce que pour nous, dans le territoire de Nyango et dans les pays, ça c'est là le premier modèle. Nous disons grand merci au chef de l'État parce qu'il s'est donné le courage pour construire le sinistré. Il n'a pas dit donné aux humanitaires. Munguiko est sinistré de son état. Nous l'avons retrouvé sur le site, en train d'observer l'évolution des travaux. Vraiment c'est beau parce que c'est la première fois qu'on le voit. Et puis vraiment
Ce qui est là, c'est seulement demander l'aide au gouvernement de nous aider, puisque nos chats, nos maisons ont été carcinés par le volcan. Je remercie et le chef de l'État doit nous continuer à nous aider pour avoir comment s'approcurer de vivre. À ses côtés, le général-major Kangou Diambaya, directeur de la clinique présidentielle, M. Tchelo, secrétaire général au ministère des Affaires sociales et humanitaires, sont aussi présents. Ces résultats, ce n'est pas pour passer par les ONG. Les ONG nous aident, mais pour l'instant, sur ce site, ce ne sont pas les ONG. Les premiers 1000 seront déjà apprêtés, et puis il y aura jusqu'au 20 juillet un total de 2000 ménages. Alors il faut multiplier ça par 5 ou 6 pour savoir le nombre de personnes qu'on peut déjà loger grâce donc au génie militaire, grâce à l'aide internationale et surtout grâce à l'implication du chef de l'État lui-même. Les deux sites prévus vont répondre aux urgences humanitaires, citons les logements. Les sinistrés passent la nuit dans les salles de classe, d'autres encore en famille d'accueil. Jusqu'au 20 juillet, ces logements seront disponibles, comme l'a rassuré le conseiller spécial du chef de l'État, Dr Roger Kamba. On reste à Goma où Françoise Bouilaboaki nous parle des conséquences de l'éruption volcanique à Masisi et aussi de la satisfaction de la population qui retrouve peu à peu leurs terres. C'est grâce au rétablissement de la paix, œuvre du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages. Conséquences de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont été ressenties jusque dans les prairies de Masisi, des étendues à perte de vue. Emmanuel Kamanzi a subi des pertes. Quand la fumée monte haut, quand ça tombe dans nos fermes. Les scories là avaient abîmé toutes ces herbes que vous voyez, et pendant un temps les vaches ne broutaient même pas. C'est pourquoi vous avez vu, l'état que vous avez vu là n'est pas normal, ce n'est pas l'état habituel. Elles sont normalement de très bonne santé. La sécurité retrouvée dans ce coin du Nord Kivu, en grande partie récupérée par l'armée régulière, permet aux éleveurs, cibles des kidnappeurs, de retrouver leur cheptel. Mais cette nuit, il y a ivore de une dizaine de bêtes dans ma ferme de Bichoucha. Bichoucha, c'est à plus ou moins 90 km d'ici. Et ce sont les FDL, puisqu'ils ont conduit les troupeaux dans le parc national de Virunga. Je crois qu'ils sont en train de chercher des provisions pour fuir, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, le président est déterminé à mettre fin à ce genre de choses. Et l'action diplomatique du président de la République récolte du succès. Notre président est vraiment ciblé. Pour pouvoir réussir l'état de siège, il faut associer les pays voisins. Et en tout cas, les accords qui ont été signés, et avec le président ougandais, et avec le président rwandais, par rapport au développement économique, par rapport à la sécurité, nous, ça ne peut que nous réjouir et nous espérons que s'il continue comme ça, dans un laps de temps, le Nord Kivu sera encore l'Eldorado du Congo comme à l'époque. Avec son âme d'enfant, le président de la coopérative des regroupements d'éleveurs du Nord Kivu s'accroche au rayon du soleil pour maintenir ses activités. Retournons à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale, où le président Christophe Mboso Kodiampouanga a présidé la réunion du forum parlementaire de la 49e session de l'Assemblée plénière de la SADC par vidéoconférence avec comme thème « Optimiser la ZELCAF pour la reprise économique post-Covid agricole ». Sylvie Mbo et Bernard Baud. Les pays membres de la SADC peuvent-ils s'en sortir en cette période où le monde est secoué par la Covid-19? Le participant des différents pays à la réunion du 49e forum parlementaire réfléchissent autour du thème « Optimiser la zone de libre-échange continentale pour la reprise économique post-Covid en Afrique australe ». Cette session de l'Assemblée plénière convoquée par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et président en exercice de ces forums parlementaires de la SADC, Christophe Mboso Kodiampouanga, s'est penché sur les avantages de la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale africaine qui facilite les mouvements de flux commerciaux intra-africains sans barrière. Ce trafic qui devient très intense ne peut réussir que dans un environnement où la pandémie du coronavirus est domptée. Il se relève donc que se faire vacciner contre la Covid reste le meilleur remède contre cette pandémie. Au forum, nous nous engageons à aider les États membres à trouver le voisin moyen de se remettre des effets négatifs
de la COVID-19. Le thème de la présente session insiste sur la nécessité pour la région de la SADC de promouvoir la coopération régionale et d'envisager les solutions innovantes qui peuvent favoriser l'intégration régionale tout en augmentant les flux commerciaux et les produits intérieurs bruts par habitant au sein des États membres. Les honorables membres des parlements de cette région d'Afrique ont la responsabilité de sensibiliser leur communauté à l'importance qu'il y a de s'engager sur cette voie de la vaccination contre la COVID-19. Le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC et président du Forum parlementaire de la SADC a déjà donné le ton à Kinshasa avec le contact pris pour que le député prenne le vaccin. À présent, je vous laisse suivre les directs de Goma. Allô, allô? Allô? Allô, 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 allô. Et bienvenue, nous sommes le 27 juin 2021, c'est programme spécial par de Goma où il est exactement 11h passé de 14 minutes, il est 10h passé de 14 minutes à Kinshasa et nous sommes là, nous continuons notre séjour ici à Goma. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes à la frontière entre le Congo et le Rwanda. Vous avez suivi ces week-ends, il y a eu bipartite entre les deux États, entre deux chefs d'État, le Congo et le Rwanda. On a signé des accords de coopération. Et aujourd'hui, nous sommes justement venus pour nous rendre compte de la vie ici à la frontière. Vous voyez derrière moi les personnes qui sont en train de traverser. Donc c'est ici